On se sert souvent des vignobles pour faire la promotion du territoire. C'est quand même le vin qui amène l'attractivité et je crois que les statistiques de l'ORT le prouvent. Près d'un visiteur sur deux continents dans une région viticole vient pour aller sur la route des vins. Il faut aller plus loin où vous faites des salons comme les viticulteurs. Mais ceux qui ne sortent plus aujourd'hui ont du mal à vendre et à faire tourner leur caveau si on ne sort plus. Et il faut avoir le temps de sortir. Je suis bien placé pour le savoir. On ne peut pas être au four et au moulin, il faut du personnel et tout ça. Donc je soutiens une initiative pour qu'on accueille, pour qu'on mette plus de dispositifs aussi pour l'accueil en cave, pour qu'on puisse également, quand on accueille nos hôtes qui sont souvent aujourd'hui, qui viennent de l'international, il faut avoir des moyens pour les accueillir, une salle dédiée, la scénographie, tout ça, je trouve qu'on est un peu en retard. Alors j'étais avec le président des autocaristes orinois, barinois et le championnat était excusé, mais on était avec le Mosellan également, à Metz pour une grande réunion pour voir si on ne pouvait pas soutenir un dispositif pour avoir des bus dédiés, mais des bus plus petits, parce que les gros bus de 50-55 places sont souvent également encombrants. Et tous ces dispositifs vont être finalisés et vont être validés au mois de juin, et donc lors de la plénière, et donc validés, applicables à partir du 1er juillet. Donc on fait le maximum pour que l'agriculture, je suis très bien placé, je suis maire de la commune, quand je suis devenu maire en 95, j'avais 18 metteurs en marché, aujourd'hui on a encore 10. Et dans tous les villages, c'est pareil. Pour des raisons multiples qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, je veux dire que ce n'est pas facile, on n'est pas des nantis dans l'agriculture, je crois qu'il faut se battre et retrousser les manches tous les jours. Voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Je vous souhaite tout simplement un très bon week-end, beaucoup de succès pour nous, Sontag. Merci.